Hello, c'est Nemeria Alpha. Je continue mon gameplay sur le jeu de Division. The Division, oui, bah voilà. Moitié anglais, moitié français, parfait. Je suis niveau 30, comme vous Je pouvez suis le un peu voir. partout. Il faut que je voie un médecin. Si tu veux. Et du coup, en fait, je découvre un autre mode de jeu complètement différent, en fait. Plus complet, plus intéressant et nouveau pour moi. Alors du coup... comme vous pouvez voir, j'ai un peu amélioré, j'ai un peu beaucoup amélioré mon équipement, mon stuff, et du coup c'est génial. Il faut savoir que vous faites des quêtes journalières. Moi je savais pas, je vous explique parce que je savais pas, et puis je vais faire un petit résumé. Vous faites des quêtes journalières, vous faites des quêtes même mineures en fait, et vous avez des points qui tombent. Vous montez pas de niveau, hein, niveau 30 ça s'arrête là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous faites les quêtes, etc., on vous donne des caches. J'ai déjà eu plusieurs autres caches. Hein. C'est comme ça que j'ai eu ces trucs là. Et l'arme. Et du coup, ah, on ouvre. Voilà ce qu'il me donne comme équipement. Alors il y a plus de niveau, c'est pas écrit niveau 30 à côté. Hein, là c'est 28, 28, tout à coup il y a un score de 178. Hein? C'est quoi cette arme de cheater, pas possible. Oh la vache. Alors je connais pas, ce qui m'inquiète c'est le recul. Oui, on a compris. Hein. Ouais, le recul, il me fait un peu mal, là, par contre. Ah. Mais par contre, la précision, elle est géniale. La portée, elle est bien. Je vais essayer une autre fois. Pour l'instant, je dois faire des quêtes. Je montre à la carte. Elle change. Elle change. Radicalement, vous avez de nouveaux trucs sur la carte du QG qui change. Je vois qu'il y a une autre quête ici. Voilà. Ce que vous aviez comme quête, à retrouver la patrouille manquante de la GTF et empêcher l'OLMB de se rassembler dans le complexe souterrain. Et vous avez les récompenses des missions qui sont juste énormes. Hein. Et là, je vais juste voir. Là, j'ai essayé de... Ça, c'est les caisses journalières, Mon Dieu, apparemment. arrêtez! C'est les caisses journalières. Excusez-moi, je vais pas le laisser hein, souffrir inutilement. Ça fait mal le cœur quand même. Et il faut les faire au mode expert pour avoir des jolis exemples. Alors au niveau monde, en haut à gauche, vous voyez ce niveau de monde 1. Parce que justement, j'ai fait toutes ces quêtes, j'ai eu toutes ces cages, etc. Et il faut... Pour ça, il faut... Non. Le mode expert. Et pour le mode expert, il faut le niveau de monde 2. Donc je pense qu'on doit encore faire des quêtes pour améliorer tout ça. Alors, on va voir ici ce qu'ils me disent. Je vais pas bien du tout. Il faut que je voie un médecin. Et ça, donc, c'est où? C'est ici. Alors écoutez, on va essayer. Je sais pas du tout ce que c'est. On va essayer tout ça, parce que blabla c'est bien, mais... Est-ce que j'ai quelque chose d'assez spécial? Ah oui, bah j'ai ce truc-là. Ah... Oui. Bah oui. Ça change un petit peu quand même, ça améliore. On va changer. Hein. Voilà, ça monte. Bon. Le pactage, on va le mettre à jour, par contre. Hein, parce que je me connais. Je vois ici le niveau de score, justement 126, donc le côté général. Tu vois les autres, je trouve 1, nous sommes niveau 24. Lui il est 128 par contre. Donc il vient de commencer peut-être le niveau 30 comme moi. Donc voilà, certains sont déjà niveau 290 et... Eh oui, je dis 290. Attention, vous allez quitter la zone de sûreté. J'ai dit 290 et pas 290 parce que j'habite en Suisse. Hein?
Donc, supportez, les enfants, supportez. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. C'est quoi ça? Des Rikers. Si jamais votre copine, là, elle est morte, donc... je sais pas qui c'est qui est votre nouveau chef, mais... Ah! Le nom de Dieu. Encore des Rikers. N'y pense même pas. Ici, qu'est-ce que tu as... Merci. Oh, wow. Je prierai pour vous. Bon bah là, ça va se vendre. Ça va se vendre. Ouais, ça vaut la peine d'aider un peu les gens. Vous avez des bons matos, c'est tout. C'est parfait. Bah, dis rien, écoute. Oh la vache. Oh la vache. Alors, les mecs, vous êtes... Oh la vache. Un endroit pour se cacher. Ah! Ah oui, vous savez qu'une fois j'ai fait une quête, mais une quête secondaire, pas du tout une quête principale, je sais pas quoi. Il y avait que du jaune purée à la fin. J'étais là, Non mais arrête de bouger, putain, mais merde. On va aller se mettre de côté. Niveau 30, bon bah, forcément. Hein. Oula, oula la la la. Oh merde, ah merde. Bah voilà. On va perdre différemment. Hein. Je pense que là ils m'ont entouré, bah oui. Apparaître, je suis juste à côté, enfin à côté. Eh ben ça commence bien, écoutez, ça commence bien. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça quand je découvre quelque chose, je me fais buter assez facilement. Mais rarement je me fais buter aussi facilement la deuxième fois. C'est comme ça, c'est la vie. On va récupérer les munitions. On va y aller. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. Moi ce qui m'embête c'est que ouais, ces gens sont... Enfin ces gens... Ces PNJ, bah ils sont un petit peu vénères quand même. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Oui, comme d'hab. Bon. Ils sont vénères. C'est bien. Ah, ça me prépare gentiment à la... Pour le 2, quoi. Normalement, c'est la fin du mois, là. Je... Donc... je vais espérer d'acheter bientôt ce jeu. Le 2. Bon, il y a déjà des gens qui ont déjà fini le jeu. Moi, je vais seulement commencer. Toujours un peu à la traîne. Ah bah c'est toujours là, c'est quoi? Mais ils sont toujours là, mais ils sont toujours là, ça veut dire quoi? Qu'ils sont... Mais les mecs, attendez que j'arrive au moins. Pas cool. Ouais bon, côté vie c'est pas ça. Oh, il y a du jaune qui arrive. Oh merde. Eh merde. Oh du jaune, oh du bon jaune. Alors oui, je parlais beaucoup trop vite.
Merde. C'est combien? Explosez-lui, elle va pas tenir longtemps. Continue à lui mettre la pression. Tu me les bouffes les couilles. Oh mon chou. Je suis flatté, écoute. Ah là là. Mais nom de Dieu. Ah, c'était chaud, hein. Fouh. J'ai utilisé trois... C'est quoi ça? Je sais pas. De l'eau. Bon. Ok. Ici, on va voir si on peut ramasser quelque chose. D'accord. Comment ça va? Bien, puis toi? On sait pas qu'il restait encore des gens comme vous. Eh ben oui, comme tu vois. Oui, je suis désespéré, c'est ça. Super. Bon bah... C'est parfait. Puis vous voyez la barre en haut à droite, elle tente d'augmenter. Mais il faut que je... Ah ouais, il y en a quand même deux ou trois quoi. Et destruction. J'ai quand même allé là. Sous chaque quête, il y a des quêtes journalières. Et si je les fais, bah c'est bon. C'est cool. Mais ce que je vais faire, c'est celle des en bas à droite. Je vais voir ce que c'est. Je suis curieux de savoir ce que c'est en fait. Voilà. Mais on va faire différemment. Je vais pas me taper tout le chemin. On attend le signal pour rentrer. Tenez-vous prêts. Maintenant. On va rentrer là. Oh, j'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Et je vais sélectionner cette quête là. D'après nos renseignements, ce qui reste des effectifs du LMB s'est séparé en deux factions après la mort de Bliss. Mais personne ne sait quels sont leurs objectifs. Une équipe de la JTF est allée enquêter sur des agissements suspects à l'usine de traitement des eaux de l'East River. Et depuis, on a perdu contact avec eux. D'après un certain coordinateur de la continuité nationale, ils veulent faire sauter l'usine et éliminer le problème. Sauf que perdre une structure de cette importance alors que la ville est en bonne voie, c'est pas une bonne idée. J'ai un mauvais pressentiment, alors prenez quelques gars avec vous. Rendez-vous sur place le plus vite possible, en espérant qu'il reste encore quelqu'un à sauver. En attendant, je vais essayer de savoir ce qui a pu arriver au président. Il se peut que la situation à l'extérieur soit pire que ce qu'on pensait. Est-ce que je dois y aller en bas ou bien? Ah bah j'ai pas le choix apparemment. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai loupé encore? Non? Ça s'ouvre pas ici? Pourtant, je vois pas comment je peux passer ici. Hein. Est-ce qu'on doit y aller à plusieurs ou bien? Ah, si c'est on doit y aller à plusieurs, moi j'irai pas. Moi je joue pas avec les jeux d'autres personnes parce que bah, je suis mauvaise et puis me faire gueuler dessus c'est pas vraiment mon truc. C'est dommage. Ah! Il faut le niveau 2. Ah, moi j'ai pas le niveau 2. J'ai que le niveau 1. Tant pis, on va aller faire cela. Ou bien est-ce qu'on peut déjà faire l'autre en fait? Est-ce qu'on peut faire l'autre quête? Il est terrible ce matos. T'es déformé là-dessus. Je veux voir ici, est-ce que je peux faire cette quête ou pas? En plus, il fait partie des quêtes journalières, donc autant la faire quoi, je veux dire. Autant la faire. Je suis un petit peu anxieuse. C'est... Ouais, c'était sympa. Est-ce que, juste voir un truc, est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Alors, il y a celle-ci. En mode difficile. Mais il est pas du tout difficile, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Probable que ça se termine, là. Ça fait des heures qu'on patrouille. Il faut niveau 2. Oh merde, c'est bien ce que je crois là. Niveau 2 aussi. Mon pote en a touché gros lot. Oh, c'est trop fort. On fait chauffer les ravitaillements avant tout le monde, putain. On passe en... Ouais. Dac, bon. Vous entrez dans une zone de sûreté. Et on pouvait acheter aussi ici pour 50 000. Bon, j'ai pas vraiment envie de vendre. Une prochaine fois. Enfin, acheter, je veux dire. Ici. Ici, ici. Ah. Mais là j'ai des gars de fusil à pompe, plutôt que je n'utilise pas du tout. C'est dommage. C'est dommage. Non, ça me diminue. Et puis ici. Ça diminue aussi. Non. On va prendre les quêtes. On peut? Ah, d'accord. On peut pas. Là, c'est bon. Attention, vous allez quitter la zone de sûreté. Peut-être j'ai tort d'utiliser les armes. Putain, il est terrible ce matos. T'es déformé là-dessus. Notre principal problème pour l'instant, c'est le LMB. Tant qu'on ne sera pas occupé d'eux, on n'a aucun espoir de reprendre la ville. Sauf qu'on ne va pas pouvoir les éliminer d'un seul coup. Il va falloir procéder méthodiquement. Il faut qu'on les rende aveugles, qu'on neutralise leurs armes et qu'on brise leur chaîne de commandement. Donc maintenant, notre cible prioritaire, c'est le centre de commande situé à l'entrée du tunnel de Queen's Midtown. Attendez, vous avez lu mes dossiers? Pardon, nos dossiers. Bref, il s'agit d'un pôle de communication disposant d'un important soutien tactique et d'une cache d'armes. Éliminez le soutien, volez les armes et on les mettra à genoux. Oui? Bah oui. Non, je veux pas le rejouer un difficile. Ouf! Écoutez, vous avez trois objectifs et aucun d'entre eux n'est une partie de plaisir. 1. Désactiver leur relais de communication. 2. Neutraliser leur centre tactique. Et 3. Prendre le contrôle de leur arsenal. Mes gars ont besoin de ces armes.
Bonne chance. Attention, tourelle de défense détectée. J'en ai déjà vu en action, et c'était pas beau à voir. Approchez-vous suffisamment avant qu'elle vous allume, ou c'est à l'éponge qu'on va vous ramasser. Fais dodo. Hop là. J'ouvre le feu. De chier. Vous savez quoi faire, les gars? Elles sont où, tes couilles? Faites la pression. Bah, toujours au même endroit, hein. D'après votre GPS, vous êtes tout près du centre de communication. Attention à ne pas vous faire repérer. Mais pourquoi tu te lèves? Ça va ou quoi? Saloperie. Apparemment, je suis attendu. C'est là-bas, de l'autre côté. Je propose qu'on exécute tous les JTF. Le relais doit être sur le toit. J'imagine qu'il y a des techniciens qui cherchent de le faire fonctionner. Il veut parler de leurs ingénieurs de combat. Ils sont rapides, bien entraînés, et leur matériel est similaire au nôtre. Pour ce qui est de l'équipement, le LMB ne lésine pas sur les moyens. Je monte. T'es bien là? Pardon. Et on descend.
C'est un peu précaire votre histoire là. Je me casse. Attends. Quoi? Ne me tombe pas dessus, s'il te plaît. Attends. Je sais pas ce que c'est. Non. Ok, bah j'ai loupé un truc, c'est pas grave. Ça fait peur. Ah bah ils sont là. Et une tour. Comment je fais pour la désamorcer? Encore une porte. Il y a un chien.
Il est où le truc pour nous amorcer? Il est là. J'ai juste suivi le fil. Des données en cours. Écrasement des données. On va voir si le Last Man Battalion a l'air insolide. Les données ont été remplacées. Surchauffe du processeur. Désactivation des mécanismes de refroidissement. Oula. Séquence terminée. Les données du cerveau ont été remplacées et le processeur détruit. Juste à côté de la cage d'armes. Une fois à l'intérieur, vous allez devoir tenir jusqu'à ce que je puisse envoyer du backup. Alors préparez-vous, parce que ça risque d'être carrément musclé. C'est vrai. Mais génial, écoute. Tu me connais pas, toi, en fait, c'est ça. Attention, élément hostile à l'approche. Merde. Bonne nouvelle. Les renforts se dirigent vers votre position. Ah. Ils ont passé la première tourelle. Ils vont bientôt être là. Viennent d'arriver à la moitié du tunnel. C'est bien. Ceci est une annonce de sécurité publique du Last Man Battalion. Toute personne présente dans ce quartier sans autorisation sera considérée comme combattant ennemi et devra en assumer les conséquences. Attention, nouveaux élèves hostiles à l'approche. Pour assurer votre sécurité. Faut sécuriser la zone. Lâchez pas la pression. Tenez bon, votre backup est sur point d'atteindre votre position. La
Bien joué. L'inventaire est en cours, mais les armes que vous avez récupérées devraient permettre à la JTF de tenir le coup un petit moment. Du super boulot, vraiment. Je leur avais mis un grand coup de pied dans les bourses à ces connards du LMB. Continuez comme ça et on n'entendra plus parler d'eux. Ok, on sécurise cette zone le plus vite possible. Tran, je veux l'inventaire de toutes les pièces d'artillerie sur place. Transport et priorité. À vos ordres. Oui, chef. Sécurisé. Bien sûr. Affirmatif. Affirmatif. Bien sûr. Bien sûr. À vos ordres. T'as fini? Oh mon dieu. Celui-là, il m'intrigue un peu quand même, cette arme. Et là, c'est quoi? Bon. Voilà. Ouais. Cette fois, c'est le jackpot, agent. On a trouvé une vidéo de Bliss lui-même. Un genre de truc de propagande. Et apparemment, il aime s'entendre parler, ce connard. Tenez, regardez. Soldats du Last Man Battalion, ici votre commandant en chef, le lieutenant-colonel Charles Bliss. Certains d'entre nous ont manifesté leur colère face à ceux qui ont décidé de nous abandonner. De nous laisser mourir, comme j'ai pu l'entendre. Mais j'ai bien regardé cette ville. Et j'y ai vu une opportunité. J'ai vu ce qu'elle a été. Et j'ai vu ce qu'elle pourrait devenir si quelqu'un avait le courage de se battre pour elle. Si des hommes étaient prêts à descendre dans les rues et à les reprendre aux dégénérés, aux voyous qui en ont pris le contrôle. Prêts à faire ce que ce foutu gouvernement et ce que ces trouillards de soldats n'ont pas été capables de faire. Prêts à en terminer avec tous ces assassins, ces menteurs et ces voleurs qui continuent à semer la discorde. Nous ne ferons pas machine arrière, nous ne ferons pas de compromis, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer le futur de ceux qui se sont engagés avec nous. Quant à ceux qui essaieront de nous arrêter, que Dieu ait pitié de leur âme. Blesse terminée. Il y a intérêt à ce que ce soit bon, parce que je referai pas ça une deuxième fois. Ouais. Effectivement. Voilà, c'est mon petit trophée qui est tombé, c'est parfait. Ouais. Alors, ici, apparence. Oui, je vais aller parler après avec Bliss. Bliss, oui, bien sûr. On va lui parler, certes. Excusez-moi. Ouais, c'est classe aussi, vous. Ouais. Ce qu'il reste à faire. C'est parfait, du coup. Pourquoi elle m'indique là? Ah, c'est pour la sortie. D'accord. Il me reste encore celui-là à faire. Ça pour la prochaine vidéo, mais là, on va parler avec notre copain. Oula. Et améliorer en même temps notre QG. Oh. Sympa quoi. C'est sympa. On verra comment ça va se dérouler quoi. C'est intéressant. Je trouve que là c'est le niveau 30, c'est vraiment le la mana céleste. Ah. Attends, je veux juste faire un truc avant. Je vais débloquer ça. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Ouais, bah c'est un peu vendre. Hein. Parce qu'il faut un peu de sous. Non, pas celui-là. Pour acheter justement une nouvelle arme à l'armurerie. Des manques que j'ai. 119, non. Normalement, c'est bon. On y va. Donc, je suis à 100% ici.
Et nanante, on va remonter ici. D'accord. Oula. Niveau de monde. Ok. Ah bah c'était ça en fait, le niveau de monde. Je comprenais pas, j'étais là, mais eux. J'aime bien le côté niveau difficulté sélectionné, normal, difficile, expert, héroïque, légendaire. Oh la vache. C'est pas pour moi tout ça. D'accord, alors on va juste vendre ça. Lui il a que du violet. Ouais, mais que du violet, mais c'est du bon quoi. C'est toujours le fusil du sniper. Bon, il faut l'autre augmenter. Acheter. Non. Toujours rien. C'est ça, le business. Liquider. C'était vous au QG des Riker? Ouais, c'était moi. Ça fout les boules, hein. Go. Oh, attendez. Attention. J'ai vu mon arme. J'ai vu mon arme. Attendez. On va parler déjà avec le copain. Hey, vous auriez une minute? On commence. Ah, regardez qui est là. Eh hey, voilà notre héros. Quand on vous a demandé de faire ça, je croyais pas que c'était possible de réussir. Les hommes que vous avez libérés, j'ai pu les affecter là où ils seront le plus utiles. Pas si mal pour des fédéraux, hein? Ben, j'avoue que j'ai vu pire. Regardez ça. Tous les groupes criminels auxquels on est confrontés sont en fuite. Ils sont pas tous partis, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et ça se voit. Les habitants se sentent assez en sécurité pour sortir à nouveau de chez eux. La JTF a pu aider le Serra à remonter leur tente, et les gens se remettent à faire la queue pour venir chercher de la nourriture et de quoi se soigner. Il est clair que les choses commencent à changer. Hier, j'ai croisé un type qui tenait une épicerie dans mon quartier, dans le Queens. Il a dit qu'il pensait bientôt rouvrir son commerce. En faisant un petit effort, je trouve qu'on se croirait presque à New York. C'est pas mal, non? Bon, allez, si on arrêtait un peu de se lancer des fleurs. Le LMB continue à me donner du fil à retordre, j'ai encore du travail. Et vous aussi, agent. Allons-y. Hé. Hey. Vous, vous êtes fortiche. Merci. Ça fait du bien de temps en temps, comme disent... Ah. Bah, deux secondes. Voilà, caserne. Alors, distance dégâts de... Parfait. On va enfin pouvoir sécuriser le périmètre comme il faut. Et le trophée. Réparateur supérieur. Bah oui. Ce que j'ai commencé à faire. J'ai du neuf. Dis-moi. J'aurai bientôt quelque chose pour vous, mais pas tout de suite. Ok. Oui, bah après. Venez me voir la prochaine fois que vous êtes dans le coin. Oui. Les gants, mais c'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Je crois pas, en tout cas. Ah, il faut y aller pour rivaliser avec ce truc-là. Ah. Oui, je sais, écoute. Ben voilà, quoi. C'est parfait. La prochaine fois, on va faire la mission avec les Kosovars russes. Ça, c'est pas besoin.
et... C'est fantastique, agent. Cette caserne nous permettra d'avoir plus d'effectifs, prêts à agir plus rapidement. Mais c'est parfait. Mais écoutez, je pense que j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était moyen pour moi. C'était assez moyen parce que j'ai pas... J'étais pas... Comment dire... J'aurais voulu faire mieux, c'est tout. Autrement, c'était intéressant la mission, je... j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Bon, du coup, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.